On arrive à Montgeron avec André et on a une opération spéciale à faire. Il faut qu'on trouve une ruche sur un bloc entier, bien rempli, pour la porter à un nouvel apiculteur qui est Adrien à Boissize. Moi, je sais qu'elles sont pas remplies celles-là. Tu es habillé, tu ouvres, tu regardes? Non? Ciao. Moi, je suis pas habillé. Je suis pas habillé, moi. Toi, c'est ouvert ça? Tu crois que c'est plein? Non, on l'avait déjà regardé celle-là. Celle-là, elle n'est pas pleine, c'est sûr. Celle de gauche, là, je la connais pas. Je vais regarder. Il fait bien beau, bien chaud. Je sais pas trop si les abeilles vont être vives ou pas. J'en sais rien. Ça va être archi collé, ça. Tu regardes, André? Ouais, non, c'est pas très bien rempli. Ça, c'est pas rempli. J'ai l'impression que les abeilles m'ont suivi un petit peu longtemps, quand même. Bon. On va essayer d'en ouvrir une autre, mais ce serait mieux que je m'habille. Je sais pas pourquoi je le sens, là. Je le sens qu'il faut que je m'habille. Celle-là bien remplie. Peut-être. Carrément, non? Arrête, elle est archi remplie cette. Mais je peux pas là, il faut que je m'habille. Je peux pas m'approcher. C'est clair. Je peux pas. Je le sens, tu vois. Ça, je sais pas pourquoi ça sent quand les abeilles vont. Vont nous poursuivre, ça se sent, je sais pas pourquoi. Peut-être je suis une abeille moi aussi, non? Hein? Allez, je vais m'habiller, c'est pas le choix. Si je veux ouvrir cette ruche, je vais m'habiller. Je fais une pause, je m'habille, même s'il fait chaud. D'accord? C'est parti. Très bien. Allez, cette fois je suis bien habillé. Je vais pouvoir soulever le couvre-quart et regarder. Mais ma prédiction c'est que c'est bien rempli d'abeilles cette ruche. Je l'entends. Eh oui, j'avais raison. Après, on voudrait une ruche tranquille quand même. Hein? Comme pour Ali, on lui a amené une ruche tranquille, c'était sympa quand même. C'était quand même rassurant pour lui. Hein? Je pense que c'est pareil là, non? Elle est tranquille cette ruche. Il y a zéro attaque là. Il y a zéro réaction. C'est plutôt bien. Belle ruche. Super André. Hein, en plus, avec elle est remplie de miel, donc pour passer l'hiver, normalement, tu peux pas faire mieux là. Hein. Voilà une ruche, ruche monobloc, nickel. Pas tant que ça. Hein. Moi, je les vois pas autour de moi. Mais tourne autour, mais il n'y a pas d'attaque. Ça tape pas. On va les filmer un peu.
Bon, si on veut bien travailler, il faut faire comme l'autre fois, c'est-à-dire mettre un deuxième bloc en dessous pour qu'elles aient largement la place de s'installer et qu'on puisse fermer hermétiquement ce soir. Et je pense que ce serait bien de le faire maintenant. Allez, on se lance. Donc on va faire comme d'habitude. On a mis une plaque en dessous là pour que ce soit bien étanche. On a mis un bloc vide. On va prendre le bloc rempli à bloc et on va le poser dessus. Et ça nous fera une ruche étanche pour ce soir. Est-ce que c'est collé? Ça peut être normal. Hein. Bien sûr que c'est collé. J'ai un peu décalé, elles ont commencé à attaquer celles du bas. Celles du bas, elles sont un peu nerveuses, donc j'ai continué de faire pivoter. Je vais pivoter un peu la ruche, mais doucement parce qu'elles sont prêtes à fuser par le bas. Au-dessus, elles sont calmes et en bas, elles sont sur le pied de guerre. Donc il faut que j'y aille doucement parce qu'une fois que j'aurai complètement décollé le bloc, il faut que je le pose sur l'autre bloc. Il faudrait que j'aille assez vite. Un peu plus loin parce que... Oui. Allez, j'attrape le bloc, je me lance. Ouais. Allez. Je vais montrer le nombre d'abeilles qu'il y a. Pour moi, c'est la ruche idéale, ça. Ruche monobloc, complètement bourrée d'abeilles, bourrée de rayons. Pour moi, c'est vraiment l'image de la ruche, de la colonie hyper forte. Je vais attendre qu'elle se calme un peu, je pense que peut-être c'est fini. Hein. Peut-être que de toute façon on viendra ce soir pour fermer, donc là elles vont avoir le temps de se regrouper. Hein. Allez, on arrive une deuxième fois. Oh là là, les abeilles sont. Les abeilles ont chaud. Hein. Oh là là. T'aurais dû me prendre mon habit, André. Je crois que tu vas me donner ton habit. Donne-moi ton habit, je vais le mettre rapidos et je vais essayer de faire tourner le bloc. Donc j'ai décalé un peu le bloc pour l'ajuster, pour que ce soit fermé. Donc maintenant il n'y a que les deux trous pour entrer. En dessous il y a une plaque, donc c'est fermé. Au-dessus, je pense que c'est étanche. Je pense que c'est étanche. Donc je pense que ce soir, elles seront rentrées ce soir. Ou alors je mets du scotch maintenant. Si je mets du scotch maintenant, c'est mieux. Je vais mettre du scotch peut-être sur le côté pour être sûr que ce soit bien fermé.
J'hésite. Je laisse tel quel, je mettrai du scotch ce soir. Allez, ce soir elles sont toutes rentrées. Allez, donc je reviens ce soir pour mettre du scotch sur le toit, mettre un toit en métal, fermer les trous de vol, et ce sera terminé. Ce sera terminé pour un départ demain chez Adrien. Allez, fin de la vidéo.